Les amis, la célébration que j'attendais depuis pas mal de temps vient de sortir. Protégeons la Terre de couleur, campagne de coopération mondiale. Les amis, vous savez pourquoi j'avais hâte de cette célébration? Parce que regardez, en haut à droite, j'ai encore monté. J'ai 2200 Dragonstone, ça va être énervé. Donc dans cette vidéo, au programme, on va commencer par dépenser les déesses mémorables. Donc là, il y a plein de portails, il y a plein de nouveaux trucs qui viennent d'apparaître. La première chose qu'on va faire ici, on a 35 tickets. On va déjà invoquer ces tickets-là, j'avais chopé un LR sur ce portail. Et juste après, on a 35 tickets sur ces deux portails-là. J'espère choper un maximum de Dokkanfest. Et peut-être, parce que je vais tourner cette vidéo en live, peut-être que... Voilà, si la team Twitch est chaude, pourquoi pas faire l'invocation à 200 pierres du dragon avec un LR garanti. Et juste après ça, on ira aussi tester un petit peu les événements qui sont sortis. Dans quel monde, les gars, c'est imaginable d'avoir 2200 Dragonstone? Tu sais quoi, ces invocations, je vais les faire tout de suite pour démarrer le live. Invocation avec ticket coopération des films, on va faire ça pour commencer. Sur ce portail, en plus, j'avais déjà drop un LR. J'espère que la chance est avec nous et qu'on va encore choper du LR. Déjà, il y a du Sangoten, du Gohan. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais on espère choper du lourd. Un petit LR, mais surtout un petit LR que j'ai pas. Il s'est pas transformé plus que SSJ1. Et ça sent mauvais. Ok, du Nail SR, C18, du... Oh, ça sent pas bon. Encore du C18, un petit Paragus. Et pour finir, un petit bout. Alors c'est un bout catastrophique, j'en ferai rien du tout de celui-là. Si tu prends 3 fois cette offre, déjà t'as 300 pierres du dragon, mais ça coûte 120 euros. C'est trop, 120 euros. Mais du coup, tu peux t'assurer de t'acheter un LR que tu veux. Et moi, j'aurais bien acheté, par exemple, ce LR juste ici. Bon, du coup, le temps de savoir si je fais cette multi, on va partir en invocation avec nos tickets. Et je crois que dans tous les cas, la multi à 50, tu pourras la faire avec des tickets. Bon, bref, tu sais quoi, on va se donner un petit peu de chance là-dessus. Je vais commencer par... Allez, ce portail. Tu vois, moi, j'aimerais bien avoir déjà ce Sangoku. Et il y avait... Celui-ci, je l'avais déjà eu en vidéo, en plus. Et j'aimerais bien avoir aussi ce Sangohan-là. Oh, celui-ci, j'aimerais vraiment bien l'avoir, ce Sangohan. Bon, allez, on invoque. On a 35 tickets. Ouh, vous voyez ça en bas? Est-ce que vous avez vu en bas? Le trunk s'émaille. Oh, ça sent bon. Oh, ça... Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que c'est du Dokkanfest? Est-ce que je me souviens plus? Bon, les gars, premier, on a du Trunks. C'est pas sur celui-ci qu'on va se mettre bien. Du C18. Oh, les amis, non. Pas ça. Je l'ai déjà. Oh, c'est le puissance en plus. Oh là là, mais non. Bon, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas joué. J'espère qu'on a autre chose. J'espère qu'on n'a pas que ça. Oh, je crois que c'est... Oh non, on a que ça. Oh, ça dégoûte. Bonne année 2015, ouais. C'est exactement ça, Wookie. On s'est chopé un perso de... C'est du lancement du jeu, quasiment. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bon, du coup, je vais réinvoquer sur ce portail. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, nous mettez pas du Trunks Mai pour finalement avoir un perso que... Bon, ça fait un petit doublon, je crois que je l'avais pas à 100%. Mais un Omega Shenron, peut-être que si je fais son ZTUR... Ouh, un SSJ3. Ça veut dire qu'on a du SSR, sachant qu'il n'y a pas de SSR garanti sur ce portail. C'est toujours cool de s'assurer un petit SSR. Et il faut juste qu'on ait un Dokkanfest, mais... Là, je pense qu'on a eu un des pires Dokkanfest juste avant. Rikum, du Nail R, Frost... Oh non, pas ça. Pas ça, c'est le dernier en plus du virus. Oh, c'est un virus qui sent mauvais. Bon, les amis, ce portail, il nous a pas porté chance. On va tester celui-ci. Et après, on avisera une fois que j'aurai dépensé tous mes tickets. J'aviserai de savoir sur quel portail est-ce que je dépense ma dernière multi. Il s'est pas transformé. Est-ce que c'est pour briser le détecteur ou est-ce que c'est pour rien du tout? Oh, mais en fait, sur les animations, on a beaucoup de chance. Mais sur les invocations, on a aucune chance. Oh non. Oh, pas ça. Tout, mais pas ça. On a eu du Selzer. Oh, la carte du Seum. Non, il nous a pas mis un détecteur cassé pour un Selzer. Oh non, mais déjà, tu vois qu'à son... Au dessin en lui-même, ça sent mauvais. On aura eu quoi? Deux SSR. Deux SSR complètement inutilisables. Pour l'instant, on a en combien? 21 tickets. Pas eu une seule carte qui nous intéresse. Je vais quand même pas dépenser mes 35 tickets et avoir zéro carte intéressante. Il s'est pas transformé, ce qui recasse le détecteur. Il recasse le détecteur, donc on aura du SSR, mais envoyez-nous du Dokkanfest, mais un Dokkanfest de qualité. Oh, du Dabra, il nous reste 4 cartes à choper, plus que 3 cartes à choper. 2 cartes, donc ça va peut-être être la dernière. Les amis, la dernière, bon, il nous reste une carte, c'est sûr, c'est du SSR. Mais un bon Dokkanfest, un truc qu'on n'a pas. Du style le Vegeta Int, allez, s'il te plaît. Oh, attends, c'est quoi ça? Rikum et Guldo, je connais pas du tout cette carte. Mais ça me fait penser un peu à la carte Jessie que j'avais eue. Je pense qu'en vrai, je pense que là, on s'est chopé un bon petit truc. Dans ce qu'on peut potentiellement avoir, en plus, bonne capacité, enfin, bonne aptitude leader, énorme aptitude passive. Bon, elle est longue à lire, mais l'aptitude passive, elle a l'air énervée. Non, je pense que là, on s'est chopé une excellente... Ça fait plaisir. On s'est chopé une excellente carte. Du coup, pour l'instant, des deux portails, celui-ci nous a un petit peu plus régalé. Du coup, je vais mettre la dernière sur celui-ci. Bon, allez, c'est parti. Envoyez-nous un bon Dokkanfest pour finir Piccolo Krillin. On a tout l'arc Namek là dans notre détecteur. C'est l'un des meilleurs tanks du jeu carrément. Ok, bah ça fait plaisir. Rikum et Guldo.
très très fort les amis. J'ai le chat là à côté de moi qui me dit tout, ça régale. Bon là ça sent... Bon, on verra bien, on verra bien. J'ai pas vu les transformations mais je crois qu'il y a rien de spécial. Oh non, attendez. Est-ce que c'est le Broly? Pas ce Broly là. Je vais vous montrer son éveil mais... Ah c'est ce Broly, ah ouais. Bon bah c'est encore une carte de 2015. Ça me fera un doublon en plus. Bon écoute, de toute façon je l'utilise pas. Ah ça saoule. Bon les amis, je vais craquer. Je vais craquer, je vais aller faire la multi des pierres du dragon. 200 pierres du dragon là-dessus. Il y a plein... En vrai, il y a quand même pas mal de cartes intéressantes. Ça sera pas aussi intéressant que les cartes qu'on aura pour les millions de téléchargements. Mais il y a quand même pas mal de petits trucs sympas à choper. Il y a du LR garanti. Pour le contenu, en vrai, c'est rentable. Mais en vrai, là, c'est plus pour le contenu qu'autre chose. Sachant que là, juste après, on va faire des événements. On va refarmer énormément de DS. Et en vrai, un LR, moi, ça me fait déjà plaisir d'avoir un LR, les amis. En plus, on chope pas mal, c'est des pièces bleues. Ah, les pièces bleues, ça fait peut-être un peu moins rêver. C'est parti, on craque. On a cliqué, c'est trop tard, j'ai pas fait exprès. Bon, du coup, il y a plein de personnages. Il va se transformer quoi? Il y aura pas de Vegeta, donc il y aura pas de fusion. Est-ce qu'on peut avoir un petit SSJ God ou quoi? On a du SSJ 3, du SSJ God. Ouh, SSJ God, ça fait plaisir. Bon, là, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la mouche qui est venue cliquer, c'est pas de ma faute. Est-ce qu'il y en a qui peuvent compter les cartes au fur et à mesure? On a la deuxième. Est-ce que vous pouvez compter les cartes et me dire au fur et à mesure, les gars? Ça, je reconnais ça! Ça, c'est du LR! Oh oui! Oh là 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 là! Là, c'est bon, c'est rentable. Sachant que la dernière carte, c'est encore une carte LR, on a 2 sur 2 LR. Là, je suis refait. On a 2 sur 2 LR. Enfin, on en aura un deuxième. Pour 200 DS, 2 LR, vous allez pas me dire que ça vaut pas le coup. Oh, je suis refait. Je sais même pas s'il est fort, on ira voir après quand ils nous afficheront tout. On ira voir après, mais choper un LR dès le début comme ça. Mais si ça, c'est pas rentable, c'est ultra rentable. Maintenant, régalez-nous. Continuez à nous mettre un troisième LR si vous voulez. Oh non, mais les Dragon Ball Fusion, mais je n'en peux plus de ces cartes-là. Elles dégoûtent. En fait, je crois que personne ne les a jamais jouées. Est-ce que, dites-moi dans le chat, est-ce que quelqu'un a déjà joué des cartes, les Selzer, les Goli? Personne n'a jamais joué ça. Allez, arrêtez vos SSR qui puent du fiac. Mettez-nous les cartes du détecteur. Mettez-nous du LR hors détecteur. On est déjà à 20, mais non, on est déjà à 20 cartes. Un LR en 20 cartes et un SSR qui pue. On est quoi, à 25? On est à la moitié. On est à la moitié du Vegeta SR, même au niveau SSR, pour l'instant, c'est assez radin ce qu'on a. Du Tao Pai Pai. Allez, remettez-nous du... On est déjà à 30 cartes, il nous en reste qu'une vingtaine, sachant qu'il y a le LR de la fin, qui va dans tous les cas nous régaler. Mais s'il te plaît, remets-nous un troisième LR. Je commence à m'inquiéter, tu vois. Il nous reste pas beaucoup de cartes à tirer, il y a très peu de chances qu'on ait un nouveau LR. Mais c'est pas impossible, en une dizaine de cartes. En une dizaine de cartes, tu peux avoir un truc sympa sans attendre la fin. On enchaîne toutes les cartes R, là. On est quoi? On est à la 43e. Ça sent la multi... En vrai, 2 LR, je vais parler. 2 LR, c'est quand même du très très lourd. C18, on est à combien? Est-ce qu'on est à la 48e? Il nous reste 2 cartes. On est à la 49e? Attends, ça, c'est la dernière juste après. C'est la dernière. Bon, allez. Mettez-nous... Attends, il va l'enlever. C'est quoi, ça? Ah non, c'est pas la dernière. Vous m'avez troll. Là, c'est la vraie dernière. Attendez, c'est un Broly LR, ça, ou c'est quoi? C'est pas la dernière alors. Ça, c'est un bon Broly. En vrai, ça, c'est un bon Broly qui fait plaisir. On l'avait déjà eu, mais c'est pas la dernière. Ouh là, c'est la vraie dernière. Attendez, c'est quoi cette carte, frérot? Je la connais même pas. C'est toujours pas la dernière. Vous savez pas compter ou quoi, les gars? Mais ça, ça a l'air d'être une carte qui fait plaisir. Hein. Attendez, non, non, ça, c'est un SSR. Ça, je reconnais. C'est un SSR normal. Mais j'ai 56 cartes ou quoi? Là, je demande la VAR. Vous m'avez troll. Là, vous me faites un. Là, c'est la vraie dernière. Là, dites-moi que c'est la vraie dernière. Sangoku LR. Mais je l'ai jamais vu. Je sais même pas que ce LR existait. Pas mal de fous. En fait, j'attends de voir sur le chat, voir si je suis content ou pas. Il est trop nul. Aïe, 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 aïe. Quand sur le chat, tu chopes un LR et qu'on te dit il est trop nul. Paf. je suis dégoûté, les gars. Trop vieux. Attendez, on va voir. Mais j'ai eu combien de cartes? Il y en a 5 par ligne. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. En fait, c'est les gars, vous savez pas compter. Vous savez pas compter, les refs. Par contre, ce LR-là, oh, ça me fait plaisir de le choper. Ça a l'air d'être une bonne carte de fou. Celui-ci, il est trop fort. Ah, celui-ci, mais surtout un LR en plus, tu vois, en plus de ce qui est garanti. C'est ça qui fait plaisir. Du coup, moi, j'aurais du charbonnage à faire. J'ai déjà pas mal de cartes en attente. Et là, ça nous rajoute du petit charbon. On a quoi d'autre? On avait eu quoi d'autre? En fait, au début, on n'a rien eu. Hein. Faut vraiment attendre les dernières. Celui-ci, je l'avais déjà eu, donc ça me fait un petit doublon. 120 pour... Ah, c'est tout, 120. Bon, c'est pas tant que ça, finalement. Et ensuite, on a eu quoi d'autre? Le Tenshinhan qu'on avait déjà eu, et celui-ci, le dernier LR. Il ressemble à quoi? Oh, je l'avais jamais vu. En vrai, la petite animation, elle est incroyable. Le Goten, c'est un bon support. Et celui-ci, il fait quoi?
Attaque et def plus 59%, c'est tout. Et il change des boules de ki à attaque et def plus 7%. Et ça a l'air d'être illimité, ça se cumule peut-être à l'illimité. Il est vieux aussi. Par contre, le 130%, il fait pas plaise. Hein. Non, en vrai, ça régale. Des nouveaux LR, deux nouveaux LR à farmer. Moi, ça me fait plaisir pour la collection. Pour 200 Dragonstone, je trouve que c'était rentable. Honnêtement, pour 200 Dragonstone, c'était bien, bien rentable. Du coup, je vais aller voir. Attends, faut peut-être que je récolte ça. Juste ici, on a des Kaioshin. On a tellement de trucs dans la boîte. Kaioshin et les pièces bleues. Et les pièces bleues, qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça? Avec les pièces rouges, on en aura plus tard. Mais avec les pièces rouges, je suis à pas grand-chose d'à l'occasion de pouvoir m'acheter un bon LR. Et avec les pièces bleues... Avec les pièces bleues, c'est que des Kaioshin. Est-ce qu'avec les pièces bleues, les gars, on peut acheter autre chose que du Kaioshin? Attends, les dépense pas. Ok. Garde tes pièces bleues. J'avais déjà acheté pas mal de vieux Kaioshin avec des pièces bleues. J'avais déjà des pièces bleues avant qui traînaient sur mon compte. J'avais acheté des Kaioshin. Et du coup, on va les garder. Du coup, petit palmarès de cette grosse session. On a fait les deux personnages de l'événement. Du coup, c'est nickel pour les tickets. On a chopé... Il faut en parler, on a chopé deux LR, c'est insane. J'ai hâte de voir tout ce qu'on pourra choper dimanche. Dimanche, je vous le dis, ça va être la folie. Et puis, cette carte aussi qui apparemment est très très bonne. Donc, c'était une petite session de qualité. Il me reste 2060 pierres du dragon. Donc ça, on va dépenser ça fort et surtout objectif. Du coup, objectif, si possible, pour dimanche, avoir minimum pour dimanche, 2300 pierres du dragon. Et si on est chaud, 2500 pierres du dragon. Et voilà, du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain, je sais pas à quelle heure, mais pour les invocations, demain, ça va être la folie. Du coup, les gars, rendez-vous demain. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. C'était El Chiki. Allez, ciao.